Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto maquillage. Donc c'est un tuto que... C'est un maquillage pardon, que je fais souvent en ce moment. Je le trouve vraiment hyper joli et je le fais donc avec la palette Lingerie de Laura Mercier. Donc c'est vrai que c'est une palette qui est en édition limitée, mais en fait vous pouvez trouver... On va faire un tuto en fait avec ces couleurs là, donc Black Plum et African Violet. Et c'est des couleurs que vous pouvez trouver sans problème en individuel sur, dans la marque. Donc rassurez-vous, si vous avez raté la palette, vous pouvez la trouver en individuel. Donc juste, moi je suis une grande fan de palettes et j'adore vraiment celle-là. Je m'en sers en ce moment quasiment tous les jours. Parce que je trouve que pour une fois, on va dire pour une fois, ça m'arrive dans d'autres palettes, mais celle-ci particulièrement, c'est que j'utilise toutes les teintes. Je trouve que c'est une hyper bonne idée d'avoir fait une palette avec des froids, des chauds, deux blushs. Tout est hyper portable et tout est hyper joli. Donc je ne sais pas si vous y voyez bien les couleurs, mais African Violet est une couleur absolument mais juste magnifique quoi. J'ai rarement vu une couleur comme ça ailleurs. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais c'est vraiment une couleur, moi je la trouve vraiment divine quoi. Et elle va hyper bien aux yeux marron vert, mais je pense qu'elle se marie avec toutes les couleurs d'iris. Donc aujourd'hui on va faire un tuto avec ces trois couleurs là et le blush abricot. C'est un tuto super simple, vous pouvez le porter en journée ou en soirée en intensifiant un petit peu plus le coin interne, mais c'est hyper facile à porter. Avant de commencer, juste j'ai fait mon teint très très rapidement avec, donc pour rester dans Laura Mercier, la base All Free et la crème teintée. Je les ai dans ce format parce que je les avais achetés lors de mon voyage à New York. J'avais acheté un kit en fait Laura Mercier avec la base et la crème teintée All Free. Donc moi c'est la teinte Sand qui est ma teinte d'été. Et il y avait aussi un undercover peau avec donc l'anti-cerne, le correcteur et la poudre libre en dessous. Une éponge, une houppette, un pinceau flawless correction et un pinceau de précision de correction aussi. Et j'avais payé ça 65$, donc c'était très intéressant. Moi je connaissais pas la crème teintée et c'est une bonne surprise parce que c'est vrai que quand il fait très chaud, on n'a pas envie de mettre du fond de teint, de la poudre, du correcteur, etc. Et je trouve que finalement elle n'est pas si peu couvrante que ça. Je m'attendais à quelque chose, je pense, de plus léger, donc c'est une bonne surprise. À l'heure où je vous parle, je suis dans le sud de la France, il fait 35 degrés, facile, et c'est vrai qu'on n'a pas vraiment envie de porter autre chose qu'une crème teintée. Moi je ne mets même pas de crème hydratante dessous quand je le fais, parce qu'il fait très chaud et que ben, finalement ça suffit. Elle a un SPF de 20 et elle est all free, donc je l'ai déjà dit. J'ai ensuite poudré super légèrement ma poudre préférée qui est la Prep and Prime de chez MAC. Et j'ai utilisé très très légèrement parce que il fait vraiment trop chaud pour se faire un teint parfait quoi. J'ai utilisé le Studio Finish Concealer de chez MAC en NW30, c'est ma teinte d'été. Voilà, j'ai aussi fait mes sourcils. Donc j'ai acheté ça récemment, c'est le Revlon Brown Fantasy. Donc il a un côté crayon et un côté gel à sourcils que j'aime pas des masses. Je me suis servi que du crayon et avec mon petit goupillon, je les ai mis en forme. Ouais. Bon, c'est pas encore. J'ai encore pas trouvé ma routine préférée. Mais bon, ça, c'est pas mal, ça va. Donc on va commencer tout de suite, je vais zoomer un petit peu. Je vais appliquer ma primer potion. Alors je précise que les fards Laura Mercier tiennent très très bien. Moi j'ai une paupière qui est assez grasse, donc je retiens pas l'ombre à paupière. Donc. Donc ne vous étonnez pas si vous m'envoyez en mettre, même sous les pen pots, même sous... Je mets tout le temps une base, parce que j'ai toujours peur que ça file. Donc voilà. On va commencer, je vais zoomer un petit peu pour que vous y voyez mieux. Donc je pense que là, ça c'est pas mal. Et on va prendre un pinceau plat de type 239 de chez MAC. N'importe quel pinceau plat fait l'affaire. Et je vais venir prendre donc le African Violet, voilà là vous le voyez plutôt bien, qui est ici. Et je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile. Et je vais légèrement remonter dans le creux.
Donc j'en mets pas mal. Et j'en mets aussi un tout petit peu ici. Et je ne vais pas jusque là, puisque là je mettrai le black plum. J'en rajoute un tout petit peu ici. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Et en fait, elle est, c'est une ombre qui est très versatile, qu'on voit tantôt, tantôt prune, tantôt or, tantôt pêche. Moi, si, enfin, s'il y a une teinte que, pour moi, qu'on doit avoir chez Urban, chez Laura Mercier, c'est vraiment African Violet. C'est vraiment une couleur qui est, à mon avis, mais vraiment très très belle, quoi. Donc, voilà ce que ça donne. On estompe pas maintenant. Je vais en mettre un petit peu ici, très légèrement. Voilà. On vient ensuite avec un petit pinceau crayon. Alors moi c'est un Sigma E30, un petit pinceau crayon, n'importe quel pinceau crayon, je vais pas le dire à chaque fois, fort à l'affaire. Et je viens prendre le Black Plump qui est ici. Et je vais faire un maquillage très 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 classique. Je vais venir faire un V. Donc je l'applique ici. Ici. Je viens l'appliquer en dessous. Je rejoins les deux. Ne vous inquiétez pas, on va bien sûr venir estomper tout ça. Pardon, j'oublie souvent qu'il faut que je fasse quand même attention au cadrage en même temps. Et c'est pas forcément évident. Et là, je viens remplir quand même un petit peu mon V. Voilà ce qu'on a pour l'instant. Ensuite, je viens prendre un 217 de chez MAC, un pinceau estompeur, n'importe. Et je vais venir flouter les bords. Alors, même avec une base dessous, je trouve que c'est des ombres à paupières qui se travaillent hyper bien. Donc, on estompe, on estompe, on prend son temps. On ne le monte pas, on ne le descend pas, on reste vraiment sur la ligne. Je le ramène un petit peu juste plus dans le coin. Vers le coin interne. Dans le creux interne, je veux dire. Voilà. Et on y va, on floute, on floute, on floute. Voilà ce qu'on a. Alors, je vais venir un petit peu en rajouter ici. Et je vais en rajouter aussi un petit peu au ras des cils. Ici. Voilà. Je reprends mon pinceau estompeur. Je repasse dessus. Pareil de l'autre côté. Donc là, le but, c'est d'ajuster jusqu'à avoir le résultat
qu'on cherche, hein, qu'on veut. Voilà. Donc c'est un maquillage qui est quand même assez étiré, hein, vers l'extérieur. Vous pouvez le faire beaucoup moins allongé. Moi c'est comme ça que j'aime bien le faire, mais évidemment vous pouvez le faire beaucoup plus resserré. Ensuite je viens prendre la couleur qui est ici, qui est un beige rose mat. Et je viens le mettre sous le sourcil. Et je viens le mettre aussi un petit peu ici pour nettoyer un petit peu. Et pareil de ce côté. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre un fard MAC qui est dans un état lamentable, qui est Minéralisme, qui est là, et qui était, alors je sais pas si c'était un fard en édition limitée ou s'il est, bon, moi il s'est complètement fracassé quand j'ai voulu le dépoter, donc il a fini dans un petit pot en attendant des jours meilleurs, parce que je sais pas vraiment comment on fait pour le represser, etc. Donc bon voilà, c'est dommage parce que j'aime beaucoup ce fard, et en fait on va venir l'appliquer juste ici. Et il va nous apporter une petite touche de lumière supplémentaire. Et moi, je le trouve vraiment sympa. Malheureusement, bon, je peux plus l'emporter. Voilà, il faut que je l'utilise forcément à la maison. Donc, je vais. Oh, j'ai fait des bêtises. On va mettre le mascara, je vais mettre deux couches de mascara. Donc pour ça, je vais prendre mon CoverGirl, le Lash Blast Fusion en noir. Donc deux couches, en haut, en bas. Et souvent, je rectifie mon maquillage après avoir mis mon mascara parce que ça me donne une idée un petit peu plus... un petit peu mieux définie. Parce que tant que le mascara n'est pas posé, pour moi, le maquillage des yeux est bien sûr pas achevé. Et du coup, voilà, ne vous inquiétez pas si vous me voyez briller. Il fait une chaleur démentielle ici, donc je vais dézoomer un petit peu. Donc voilà ce qu'on a. Moi j'aime beaucoup porter ces couleurs. Je trouve que c'est quelque chose qui est lumineux et qui est facile à porter. Et qui. Voilà, j'adore vraiment cette combinaison, mais c'est très rare quand je fais autant de fois le même maquillage. C'est. Avec. La masse
de maquillage et de palette et de... Je reviens en ce moment, mais toujours vers ça, parce que voilà, j'adore quoi, c'est vraiment, j'adore. Voilà, Laura Mercier, je t'aime beaucoup cette année. Donc je vais venir pour le teint appliquer ce blush là, qui est le blush abricot. Alors je sais pas comment il s'appelle dans leur palette, qui est fraîche pêche. Donc je viens le prendre avec un pinceau Sigma F25, c'est un des seuls propres que j'ai en ce moment sous la main. Donc je viens le mettre bien sur le bombé de la pommette. Alors je pense qu'initialement avec ce côté là on doit utiliser le rose. Moi j'aime bien utiliser le pêche parce que j'aime bien l'association du violet et du pêche. Enfin je sais pas. Donc voilà pour le blush. Il est très joli, je trouve qu'il est, il est lumineux et il est quand même pourtant mat. Je le trouve très sympa. Donc voilà, on a fini avec la palette. Et ensuite, pour compléter le look et rester chez Laura Mercier et avoir une bouche plutôt nude, puisque le maquillage des yeux est pas forcément chargé, mais je sais que pour certains d'entre vous, ça sera déjà pas mal présent, on va dire. Je vais utiliser un lip shine, donc c'était de la même collection. C'est le Naked Abricot et c'est une espèce de gelée pour les lèvres qui est très sympa, je trouve. C'est pas un truc indispensable à avoir. Moi, je l'avais pris en même temps que la palette parce que j'avais envie de voir ce que ça pouvait donner. Et je trouve que c'est très... très mignon. Et voilà ce que ça donne. C'est très discret. Malgré tout, je trouve ça très sympa. Donc voilà les filles pour ce tout premier tuto maquillage. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous montre les yeux de près. Voilà, j'espère que c'est quelque chose qui vous a bien plu, que vous essaierez de reproduire chez vous. Et c'est vraiment quelque chose de tout simple. Et je pense que c'est un maquillage qui est sympa à savoir faire. Parce qu'on peut le faire avec plein de couleurs différentes et du coup ça devient vraiment un maquillage très 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 basique. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo avec une vidéo qui reprendra mes palettes préférées. Je suis une fanat de palettes et j'avais envie de vous faire une vidéo sur les palettes que j'aime le plus dans ma collection. Voilà, donc si ça vous intéresse, ben, à très bientôt. Au revoir.